jupe pour toi. Oui. Tablier, oui. Je... Ouais. Tu aimes le cuir? Il aime le cuir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le tablier est déchiré tout de même. Oh, puis il est déchiré au mauvais endroit. Oh, il y a un petit souci. Il y a un petit trou devant. Oui. Il y a quelque chose qui a percé le tablier. Oui. Ça ne serait donc pas une vraie fille. Et toi, tu as failli partir avec une fille, alors? Une de vos invités la semaine dernière. Non, c'est horrible, ma fille. Mon ange. Non. Je t'en veux elle pas. Elle voulait quitter le dîner. Elle voulait quitter le dîner. T'avais vu un peu, t'es parti avec une fille. J'ai trouvé que c'était un peu tôt quand même pour aller chez Nanki, alors on l'attend un peu. Ouais, elle voulait t'emmener chez elle. Oui. Julie Ferrier. Et si c'était Hugo qui te proposait de rentrer? Il part beaucoup trop tôt. Ah, également. Ah. On va ouvrir là. Oui. On appuie peut-être. On va appuyer. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Thierry Roland et Alain Hazard. Messieurs, au quatrième étage. Quatrième étage. Merci beaucoup. Nous arrivons. Nous arrivons. Quatrième étage. Vêtements pour hommes, guêtres lacets. Je vous en prie. À toi l'honneur. Je t'en prie. Pardon. Pardon. Pardon, pardon. Ça doit être à droite. En bas, aussi. Sûrement, oui. Il a sonné. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, salut Alain, ça va? Comment tu vas, Thierry? Ah, monsieur Roland. Mes respects, monsieur Thierry. Monsieur, comment allez-vous? Ça va? Ça va bien. Très bien. Vous n'avez pas de manteau, ça va? Non, on n'a pas les moyens. Chez M6, il ne donne pas de manteau. Non, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Ouais. Bonsoir, messieurs. Tiens, c'est toi. Ah oui. Stéphane, Sébastien. Bonsoir, Stéphane. Thierry. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Sébastien. Voilà. Jeune Alain. Chef. Et Hugo. Bonsoir. Et Hugo, assieds-toi. Bonsoir, bonsoir, Hugo. Ça fait une paille que je t'ai pas vu, toi. Bah, depuis autant, on emporte le temps. Ouais. Tu te rappelles de la fin de l'émission? Ça te dit rien? Christophe Tiozzo, ça te dit rien? Ah ouais, ouais. Et après l'émission que Christophe Tiozzo prend avec son copain... Ouh là là, le coup de couteau, là? Ouais. Non, non, pire. Son copain prend une balle dans la tête, il meurt. Le copain de Christophe Tiozzo, 2 heures après l'émission. Ouais. Après ton émission. Ouais. Ah non, c'est pas le truc où il s'est fait ouvrir la gueule, non, là. Ça, c'était un autre jour, encore. Il a eu quelques... Je te signale que j'ai acheté le Baby Boomer. Oui, alors. J'ai trouvé très bien, mais je voudrais que tu me mettes, un mot. Ah ben, je te mettrai un mot, hein. Alors, comment je fais? À Thierry pour un autre Thierry. Je le dépose ici. Ouais. Ou alors, ce que tu fais, tu le donnes à... Tu sais que je vois ton frère pratiquement tous les jours. C'est pas vrai? Oui, au Matisse. Quelle horreur. Au Matisse. On se voit tous les soirs. Ah bon? Donc, tu vous voyais pas trop? Non, pas trop. Pourquoi vous êtes fâché? C'est pas que je suis fâché, c'est que il est exactement le contraire de moi. Pourquoi? Mais parce que tout ce que j'aime, il aime pas, et moi, tout ce qu'il aime. T'aimes les femmes, toi? Oui. Déjà, au départ. Bon, enfin ça, je fais abstraction. Chacun fait ce qu'il veut avec ses jouets. Ouais. Bon. Mais ils se ressemblent pas du tout. Hein. Moi, un jour, on me l'a présenté, on m'a dit c'est le frère de Thierry Roland, celui qui était là. Le mieux, c'est Régine, parce que Régine le connaît depuis toujours. Et alors, elle lui dit exprès, tu vois, elle lui dit, mais dis donc, entre Thierry et toi, qui est-ce qui est l'aîné? Ah oui. Alors, elle lui dit, mais attends, mais Thierry, il a 9 ans de plus que moi. Oh, ben, elle dit, dis donc, ça se voit pas. Hein. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Je croyais que tu étais plutôt famille, Thierry. Oui, mais je suis. Tu as pas de contact avec lui. Je suis, mais si tu veux. Moi, je suis né juste au moment où mon père est... Est-ce que déjà lui, il est né. Non, plutôt, lui, il est né juste au moment où mon père est décédé. Parce que déjà, quand on fait le bouquin, tout à fait, Thierry, tu m'as dit que tu as eu plus de peine quand Cerdan est mort que quand ton propre père est mort. Bien sûr. Il n'a pas connu son père. Oui, pratiquement. Très peu, oui. Non, pratiquement pas connu. Moi, je suis né en 37. Lui, en 40, il est parti à la guerre. Ouais. Il est revenu en 45 et en 46, il est mort. Il a suivi ta carrière, il a le foot, tout ça, il a vu tout ça. Il sait même pas dans quel sens ça va, il sait pas la différence. Il sait même pas. Comment ça se passe sur M6, ça? Très bien, ils sont très sympas. Ouais. T'as pas eu un peu les boules, quand même? 20 ans de TF1 et... 25 ans, finir comme ça. C'est sûr que j'ai eu les boules, mais bon. Si tu veux, j'avais dépassé 65 ans. Il y avait... Oui, mais toi qui es plutôt habitué à... Ah oui, je suis casanier. Non, mais avoir le côté un peu... J'ai même vu les déclarations de Charles Villeneuve qui a dit si on voulait le garder, on l'aurait gardé. Quoi. Non, mais lui il n'a pas été bien sur cette affaire. Il n'a pas été bien là-dessus. Non. Non, ça, il n'a vraiment pas été bien. Est-ce que tu n'as pas une sorte de manque le dimanche, le téléfoot Non, je ne le vis pas difficilement parce que le téléfoot que je connaissais, il n'existe plus. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Celui de Villeneuve, de Gilardi? Moi, personnellement, j'aime pas.
Vraiment ou pourquoi t'aimes pas? Mais parce qu'il n'y a plus de reportage sur le championnat. Attends, il n'y a plus rien. Il te passe en vitesse accélérée le championnat de France. Attends, tu vois les mecs, ils courent comme des... Non, attends. Franchement. Est-ce que c'est normal? T'as pu le championnat... Bon, c'est vrai que le championnat de France, il n'est pas terrible, mais t'as pu. Oui, bonsoir. Bonsoir. À tout de suite. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Je te jure, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une recette. Caramel et jus de pomme. Tu sais comment on va l'appeler celui-là? On va le Thierry Roland. Thierry Roland. Allez. Hey. Bonsoir. Bonsoir. Confiez-moi votre manteau, s'il vous plaît. Voilà. C'est par là. Les six Coréens qui étaient debout. T'avais l'impression que les six de derrière, les enfants. Ouais. Oh, quelle surprise! Ah, c'est du lourd. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir. Hugo, Monsieur Giroux. Bonsoir. Monsieur Thierry, bonsoir, Monsieur Guy. Monsieur Giroux. Bonsoir, Guy. Bonsoir, messieurs. Monsieur Alain Hazard. Bon, ça va? Ah oui, très bien, oui. Non, on parlait de téléfoot, là, c'est plus ce que c'était, quoi. Et moi, je ne le regarde pas. Pourquoi tu ne regardes pas, Guy? Non, parce que le dimanche matin, je regarde des matchs de jeunes. Toute ma vie, j'ai pratiquement jamais regardé téléfoot depuis que c'est le matin. Ouais. Parce qu'avant, j'avais entraînement. Ouais. Lendemain de match, décrassage, soins. Décrassage. Alors, il y avait des télés dans les vestiaires, je regardais un peu. Tu dis ça parce que tu es sur Canal aujourd'hui, comment Giroud? Non. Ah non! Non, vraiment, même avant... Non, mais je pouvais pas! Tu pouvais pas. En 1960, à peu près, il devient entraîneur-joueur à Auxerre. Ouais. Le comité directeur de l'époque ne veut pas de lui. Sauf quelques noms importants, certes. Eh ben, il fait sa carrière. Il exige de faire l'équipe. Et à l'époque, on ne faisait pas l'équipe tout seul. Il y avait un comité directeur. Ouais, il a exigé. Ils n'avaient plus d'entraîneur. C'était mon club d'origine. J'y avais été gamin. Ouais. Et alors, ils me disent, tu reviens jouer chez nous. Fallait que je faisais un stage au centre du commerce extérieur à Paris. Donc, tu viendras jouer chez nous. Je dis, oui, mais je veux être entraîneur-joueur. Donc, mais t'es fou, t'as 21 ans et demi. Tu veux pas entraîner des gars qui ont 30 ans. Je dis non, moi je... Bon, ben pose ta candidature, hein, j'envoie une lettre, 6 pages. Ouais. Ils l'ont publié dans le livre là, du centenaire, où j'explique tout. Toute la stratégie. Les terrains qu'on prendrait, la ferme qu'on achèterait pour faire des trucs et tout. Et puis je demande 600 francs par mois. Ouais. Bon. Il y a 40 ans, ça, ouais. Il y avait 10 candidats. Ouais. Il y avait Jean Barat, il y avait des anciens pros dans ce temps-là, beaucoup, qui étaient candidats pour être entraîneurs de l'équipe de DH. Et j'arrive, je viens, il me dit, bon, écoute, sors dehors, j'attends une heure et demie dans la cour. Puis ils viennent me chercher, joyeux, bon, le président, c'était Garneau, il me dit, à l'unanimité, on t'a choisi. C'est génial, ouais. Ok, merci, tout, à la première discussion, combien il y a de ballons? Il en reste deux, il y en a un qui est crevé. Oh, j'en veux cinq. Non mais t'es fou, cinq ballons. Bon ben, comme ça. Et puis, 3 ou 4 ans après, il y a un, ils étaient 11, le comité directeur. Ça, c'était à Auxerre, c'était pas à Auxerre. Auxerre. Ils étaient 11. Et il y en a un qui avait un cancer. Alors, il le ramène chez lui, quoi, les derniers jours. Et il me dit, oh, c'est gentil d'être venu, parce que tu sais, je ne pouvais pas partir sans te dire, j'ai voté contre toi. Bon, bah, je ne sais rien, il s'appelait Papon en plus. Le père Papon, c'est rien. Le père Papon, je n'y sais rien. Il me dit, mais je vais te dire les autres. 7 contre et 4 pour. Ouais. Voilà. Et ils m'ont pris parce que j'étais le moins cher, qu'ils n'avaient pas de sous. Ouais, c'est génial. Donc j'ai commencé par la plus mauvaise vente du monde, la vente par le prix. Hein, vous savez ça. Déjà à l'époque, il y avait une question d'économie, quoi. Ouais, forcément. Pour moi, le ballon, c'est un truc magique.
Parce que quand j'étais gamin, on bossait toutes les vacances, 20 gamins pour acheter un ballon. C'est précieux un ballon, bon. C'est vrai. Donc un ballon, pour moi, c'est magique. Donc quand t'as un ballon dans la tribune, ne revenait pas. J'envoyais des costauds le chercher, tout. On s'est pas fait piquer en 40 ans 10 ballons. Quoi. Et une fois au Paris Saint-Germain, au Auxerre, toi les gars, fin d'échauffement, ils envoient 2 ballons à leurs supporters, comme ça. Au retour, j'ai mis l'entraîneur des cadets dans la tribune du côté où on s'échauffe, au parc. J'en ai piqué 4, je les ai lancés comme ça. Mais tu étais avant-centre de footballeur, hein, plutôt. Gamin, oui, gamin. Tu étais avant-centre. Ouais. Mais tu aurais pu faire carrière et tu as refusé, non. Je crois que c'était Limoges, non? Ou tu as refusé d'être footballeur professionnel? Non, c'est pas ça. Les demi, c'était Pinverne et Sissi. Pas mal. Bon. Et Pinverne qui avait fait la Coupe du Monde 58, ouais. Et Sissi qui était champion de France avec Reims. Ouais. Et moi, dans, très bons, tous les dans deux. Ma petite tête, j'entre dans le CFA et je dis, si je suis meilleur qu'eux, je fais une carrière. Si je suis pas meilleur qu'eux, il faut que je fasse autre chose. Et donc, je fais 3 ans et à la fin de la troisième... Tu t'es attaqué à forte partie. Oui, mais enfin, bon. Moi, je voulais être international. Je voulais, bon. Ouais. Donc, au bout de 3 ans, alors j'étais estimé, parce qu'en plus, j'étais président des étudiants là-bas, il y avait l'UNEF. Y avait... J'étais estimé par le président, par tout le monde, mais je jouais pas en pro. Et alors, je vais voir Flamion, je lui demande un rendez-vous avec Caillon. Flamion, Pierre Flamion. Ouais. Et je lui dis, alors, répondez-moi franchement, est-ce que je peux faire un pro de première division? Ouais. Flamion, il me dit, ça va te faire de la peine, mais la réponse est non. Mais c'est mieux de le dire. Ouais. Il me dit, tu dois savoir pourquoi. Il me dit, t'es trop lent. Trop lent. Trop lent. T'es trop lent de gestes, trop lent de course. J'avais une très bonne technique, 2 pieds, la tête, poitrine, tout, mais trop lent. Mais lent. Bon, j'ai dit alors, il faut que je joue. Il me dit, 2e division, tu te balades. Avec ta technique, tu vas être meilleur que 80% des joueurs de D2. Ça va moins vite, tu peux faire une très belle carrière de D2. Je dis, ça m'intéresse pas. Bonsoir. Bonsoir, c'est Estelle Denis. Et Cécile, Siméon. Mesdemoiselles, 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Mesdemoiselles, bonsoir. Joli. Confiez-moi vos manteaux, s'il vous plaît. Moi, quand j'étais gamin, je connaissais mieux le foot qu'aujourd'hui. Ouais. Alors que c'est mon métier de le raconter. Ah. Mesdemoiselles, vous passez par la cuisine d'abord. Et dis-moi, pourquoi il n'y a pas de jeu sur le foot à la télé? C'est quand même bizarre, non? Oui, c'est bizarre. Ah! Oh là là! Oh! Oh, des moments! Là, ils ont. Bonsoir. Vous n'avez pas eu froid dehors? Ils sont mignonnes, hein? Ah oui. Ah bonsoir, madame Estelle. Salut Thierry. Bonsoir, madame Cécile. Ça va? Ça va bien? Quand Ben Barrett était un joueur formidable, il jouait dans le championnat de France, au Stade français. Hein. À Marseille. Et les mecs qui ne voulaient pas qu'il marque 2 buts, il était musulman. Ouais. Dans ce temps-là, les shorts avaient des poches. Il leur mettait du saucisson. Il prenait un bout de lard dans la poche. Ah, quelle horreur! Et il disait à Ben Barrett, si t'approches à moins de 30 mètres du but, je te frotte avec le lard. Ah. Et Ben Barrett, il jouait en retrait. Il a quand même bien changé, Thierry. Hein. À l'époque du bouquin, Thierry ne supportait pas beaucoup les filles qui commentaient les matchs de foot, parlaient de football. Non. Et Estelle Denis est quand même là, elle est sur M6. Non, non, non. Moi, je ne commente pas. Pourtant, elle avait fait un 6 heures tournée sur les Champs-Élysées. Je me rappelle de ta phrase où tu as dit le football se commente avec du poil aux pattes. Non, non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai eu 2 expériences coup sur coup. Sophie Talman, qui a été très bonne, et Mademoiselle, qui est excellente. Ah, ouais. Ah donc tu as changé d'avis un petit peu J'ai changé d'avis parce que le monde évolue, parce que... Comment tu l'as rencontré, le bon Raymond? C'était mon consultant sur une émission. Ah, oui, d'accord. Café Giroud, d'ailleurs. Voilà. Comment? Et que vous aviez fait prolongation sur TPS. Oh oui, plusieurs fois. Voilà, voilà.
Donc on s'est rencontrés comme ça, on travaillait ensemble. Et ça a été le coup de foudre tout de suite. Non. Enfin, pas pour moi. Non, on travaillait ensemble et puis ça s'est fait comme ça. Quoi. Ouais. Il t'a dragué un peu, non? Ou Pas trop. Pas trop. Bon, enfin, je le voyais venir quand même. Mais... Ah, tu l'as sur... Elles s'en rendent compte, les filles de ça. Hein. Ouais. Elles sont malines. Ouais, elles sont meilleures que nous. Eh oui, bah oui, elles nous voient arriver avec nos gros sabots, bien sûr. Ouais. Parce que monsieur avait quand même des règles. Hein. Ouais, les jours de serre, il filait droit. Absolu, hein. J'ai complètement oublié. Parce que je avait... côté. Alors, est-ce que c'est des légendes ou pas? Il contrôlait le kilométrage des voitures pour voir si ces joueurs n'allaient pas dans les boîtes de nuit. Non, c'est au début, parce que... Il cadenassait la mobilette de Basile Boli, par exemple. C'est ça, ce monsieur aussi. Hein. C'est où? Je crois que c'est ici. Ici, à gauche. Ah, donc on va appuyer sur TA. D'abord, les joueurs, ils ont des camions avec des vitres teintées. Maintenant, oui, comme on ne sait même pas qu'il y a dedans. Comme les princes arabes, déjà, on ne les reconnaît pas à travers. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Samuel Eto'o, Pete Bacardi et Pascal Pro. Au quatrième, s'il vous plaît. Quatrième. Mais tu rentrais bien dans les boîtes de nuit quand même à l'époque. Non, attends, pour l'histoire des bagnoles, je vais être franc. Dans le temps, avec les compteurs Gégère, une 2 chevaux ou une 4 chevaux, il fallait regarder, on avait le kilométrage. Bon. Real Madrid. Real direct. Direct. Putain, mais t'en montes. Ça rigole pas. La grande classe. La classe. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de boîte, ils allaient au bal. Et il y avait un orchestre qui avait la cote par département. C'était Alma 05, dans Lyon. C'est pas difficile, ouais. Mais moi, je travaille toujours l'après. Donc, je regardais dans le journal où était Alma 05. Alors, il était à Saint-Florentin. Alors, je passais le soir, vers 8 heures, je prenais les numéros, les compteurs des joueurs, ouais, enfin, les joueurs susceptibles de sortir. Messieurs, bonsoir. Et puis je repassais à 7h du matin, il y avait 54 km de plus, donc ils avaient été à Saint-Florentin avec Alma 05. Et quand le mec arrivait, boum. Ça c'est, on vous a ramené des jus de chez nous. Des jus de chez nous. Des jus de chez vous. Ah, mais c'est important, les garçons qui sortent pas. Oh, c'est capital. Vous allez composer des entraînements savants, minuter et tout. Et puis le mec, il va en boîte jusqu'à 4 heures. Mais vous êtes le vrai imbécile d'avoir fait des entraînements avant. Tout est détruit. Samuel, vas-y, je t'en prie. Allez-y. Disait une soirée en discothèque égale 2 matchs. Voilà. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Bonjour, bonsoir. Bon, hey, bonsoir. On va passer à table, hein, Pete. Qu'est-ce que t'as apporté? On va ramener des jeux de chez nous. Oh, attends. Avant d'aller à table, on va goûter ça quand même. Samuel Eto'o, qui est l'un des plus grands joueurs africains, il a débarqué un jour au Havre. À 14 ans, il n'avait pas de papier. Ouais. Qui est-ce qu'il a repéré à l'époque? Personne. Mmh. Après, si je ne me trompe pas, il est parti ensuite, il n'avait pas de papier, il est parti au Real Madrid. Tu es reparti au Cameroun? Au Cameroun. Après, je n'avais pas de papier, je ne pouvais pas jouer au foot. Au Real Madrid. Tu étais obligé de te cacher et tout ça, tu n'avais pas de papier. Je suis resté pratiquement 7 mois, j'étais chez ma grand-sœur, je ne pouvais pas sortir parce que c'était l'époque où il y avait ce problème de papier en France. Et là, t'es la star, il peut être marqué 18 buts dans 19 matchs ou un truc comme ça. 18 buts en 19 matchs, oui. L'an prochain, t'es Ballon d'Or. Ah, je sais pas. Non, mais coach. On passe la table. Ton verre, Cécile. Je sais que vous abusez. T'es où, toi? Le problème, c'est est-ce que les... On est à côté, Guy. Oui, alors, non, le grand problème, c'est est-ce que les papiers sont à gauche ou à droite? Moi, je pense que Thierry est au bout. T'as quelle est la Rolls, là? Quelle Rolls? Elle est une Rolls? Non, c'est une Bentley. Oh, elle est belle, dis donc. Hein. Oh, elle est belle. Samuel? Oui, j'arrive, une seconde. Ils viennent de voler la voiture. Je suis à côté de toi, Siri.
Samuel, combien ça vaut ce type de Bentley là? 300 un peu plus. 300 000 euros. Ah, tu touches quand même. Hein. Ah, tu touches quand même. Hein. Oui. C'est bien Barcelone. Hein. C'est bien. Hein. Le mec, hey, excuse-moi, le mec, il est arrivé. C'était un sans-papier. Il avait même pas le droit de jouer au ballon. Ah oui, mais il est très bon. Hein. Ouais. Ah, il est très bon. Ah, il était très bon. T'as combien de voitures alors? Il faut compter. À peu près, allez, à deux 16. Voitures. 16. Non, voiture. C'est un garage. T'es garagiste alors? Tu joues pas à Barcelone, t'es garagiste. 16 voitures. Attends, ça fait combien de temps que tu gagnes de l'argent? J'ai 10 ans, ouais. Quand t'arrives au Barça, quand t'arrives au Camp Nou, ouais. Quand t'arrives à l'entrée du stade, parce qu'une fois j'ai été le voir, quand t'arrives, ils te disent, c'est simple, Samuel Eto'o, c'est celui qui a le plus grand parking. C'est vrai. C'est vrai, de l'équipe du Barça. Mais quel âge tu as? 24 ans. Oh putain, quoi. Combien ça vaut, par exemple, si quelqu'un veut acheter Samuel Eto'o, mettons, si, par exemple, moi j'ai un club, je m'appelle Abramovich. Ah, c'est cher. Je veux l'engager. Combien ça me coûte? C'est la clause libératoire, c'est combien? Un milliard? C'est beaucoup d'argent. 100 millions d'euros, 150 millions d'euros. Ouais, 150 millions d'euros. Plus le salaire. Un milliard? Un milliard. Un milliard de francs. Non. De nouveaux francs? Oui. Il vaut cher le garçon. Il vaut cher le garçon. Ah non, mais. De l'eau. Un milliard de nouveaux francs. Lui, il est très bon. Ouais. Il est leader débuteur du championnat d'Espagne aujourd'hui. Je sais qui c'est, mais. Non, mais déjà, t'as le transfert que tu rachètes, mais après, il faut aussi lui payer son salaire tous les mois. Et il faut que tu lui répares la voiture qui est en bas, là. Les 16 voitures qui ont des petits problèmes. C'est quand même énorme. Non, vous vous rendez plus compte, là, je crois. Ça veut dire qu'il jouera. Moi, je compte arrêter à 32 ans et aller jouer. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Aller jouer à Mallorca. Retourner à Mallorca. Ah oui. Tu vas habiter à Mallorca. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Mallorca et tout? C'est si fabuleux que ça? Quand je suis arrivé en Europe, j'ai connu beaucoup de problèmes. Quand je suis arrivé au Real Madrid, il y avait Mijatovic, Davos Oker, Raoul, tous ces des stars. C'était difficile pour moi de jouer. J'étais jeune, je n'avais que 14 ans. Donc, je jouais avec la deuxième équipe, mais je pouvais jouer. Hein. Ah oui, j'ai fait mon premier match à 16 ans avec le Real. Et bien après, j'ai connu beaucoup de problèmes avec le président, tout ça. Je suis parti à Mallorca. Et à Mallorca, j'ai connu le bonheur. T'as été heureux. Aujourd'hui, j'ai un avocat depuis bientôt 6 ans, 6-7 ans. Tu n'as plus d'agent? T'as plus d'agent? Non. J'ai, enfin, un avocat, j'ai un il avocat. Prend quand même. Tu veux un agent? Ben non. Non, un avocat, il prend pas un pourcentage. Il prend des fees, des honoraires. Ouais. Et tu n'as plus besoin d'agent aujourd'hui? J'ai pas besoin d'argent. Mais si tu veux, si des clubs. Non. Mais non, c'est une question de se placer. C'est bien parce que des jeunes footballeurs aujourd'hui, il y a ceux qui sont moyens, qui pensent peut-être qu'en ayant un argent, ils seront peut-être. Mais c'est pas vrai. Parce que si tu es fort. Il n'y a pas une loi qui dit dans le foot qu'il faut avoir une agence obligatoire? Non. Les agents, ils ont tué le foot. Non, hein, ça c'est plutôt bien. Moi, je vais vous dire, tous mes grands joueurs, à Auxerre, ils n'avaient pas d'argent. Tu n'as pas été très gentil sur le ballon d'or en disant que tu ne trouvais pas le ballon d'or de France Football. Tu trouvais qu'on t'avait peut-être mal noté, que tu méritais d'être mieux classé que ça. Ma question est la suivante. Pour ça, je te pose la question. Comment vous faites pour noter les joueurs et remettre le prix aux joueurs qui gagnent? Normalement, c'est sur l'effort de l'année. Alors dites-moi, s'il y a un joueur qui était meilleur qu'Eto'o durant l'année, écoute, c'est bien ça. Ouais, l'année, ça commence le 1er janvier. Oui, je te rejoins, t'as pas tort. Donc, à partir de là, on juge. Ronny, c'est un joueur exceptionnel et je suis heureux parce qu'il a gagné. Mais si c'est l'année, je... Non, mais de toute façon, Samuel... Après, c'est chacun qui choisit. Il est classe. Non, mais ne te fais pas de soucis. Pascal, la France au Mondial. Mais la France, elle va se balader. Quand tu as Vieira, Trezeguet et Thuram dans ta colonne vertébrale, qui sont la colonne vertébrale de la Juve aujourd'hui, tu vas faire un bon Mondial. Simplement, on est passé d'un excès à l'autre. On était tellement optimistes il y a 4 ans ou il y a 6 ans. On pensait aller reprendre la Coupe du Monde. Cette fois-ci, on verse dans l'autre sens. Mais vaut mieux. Tu as Vieira, Trezeguet et Thuram dans un axe central. Mais Thuram, il n'est pas vieux, Thuram, non? Mais non. Il a 10 ans de moins que Basile Boli quand il jouait à Auxerre. Si tu mets Anelka en attaque, vous gagnez. Ils vont le mettre, Anelka, tu crois? J'espère. Estelle. Estelle, il faut demander à la dame. Estelle.
Estelle, peut-être tu peux influencer. En tout cas, j'oublie qu'au champ de la maison, quoi. Ça, c'est autre chose. Estelle, tu peux peut-être influencer un petit peu pour qu'Anelka soit. Non, non, mais c'est tout pour moi. Oh là là, Estelle. Non, vous kiffez qu'elle. Tu peux influencer. Tu peux influencer. Pas du tout. Mais non. Les femmes avaient une influence. Je peux l'influencer si on achète un canapé. Franchement, c'est moi qui vais choisir. Ça, c'est sûr. Mais pour les joueurs. C'est pas moi. Non, mais tu es comme au courant de quelques secrets de sélection. Tu sais quelque chose. Non, mais c'est comme quand toi. Mais on se parle, mais comme quand toi tu discutes avec ta femme, tu parles de choses et tout, et... On parle pas de football. Non, mais tu parles de tout. Tu es dans le métier aussi, oui, mais tu vois. Nous, on parle, quand on parle du métier, on parle de joueurs qu'on connaît tous les deux. À la limite, je veux dire, tiens, j'ai reçu un tête sur le plateau, il était comme ci, comme ça, on va en parler. On parle de gens qu'on connaît tous les deux, comme... comme ouais, toi, avec ta femme, tu parles de gens que vous non, connaissez tous les deux. Il parle de sexe avec sa femme, lui. Mais, ouais. Que pour une Coupe du Monde, c'est très très bien d'avoir deux gardiens de grande qualité, comme Fabien Barthez et Grégory Coupet. Qui on avait en 98 qui on avait? Ben, il y a eu un gros problème. Il n'y avait que Barthez. Non, il y a eu un gros problème. C'est qu'il y avait Lamar. Et Lamar a refusé d'être numéro 2. Ah, il ouais. était vexé. Parce que le problème, il est là. C'est que le sélectionneur va à un moment donné devoir désigner qui de Coupet ou de Barthez est numéro 1. Oui. Bon. Il faut que l'autre accepte d'être numéro 2. Il faut que celui qui, qui va être numéro 2 accepte d'être numéro 2. Et Grégory Coupet, il accepterait, tu crois? Je pense que Grégory Coupet accepterait plus d'être numéro 2 que Lama. Que Barthez. Que Barthez. Que Barthez. Que Lama à l'époque. Et ben moi, je pense que. Barthez, c'est un bon mec. Si c'est, ça, si et c'est ben bien. Moi, je pense que dans la tête de Raymond Domenech, il y a longtemps que c'est décidé. Oh je pense que c'est depuis très longtemps Grégory Coupet. Tu verrais qui, toi? Pas de langue de bois. S'il faut choisir, moi je suis. Tu sélectionnes. Je suis plus Coupet que Barthez. D'accord. Bon. Ok, qui tu mettrais d'autre? Donc on a vu les goals, il y en a deux, disons. Oh, bah, les défenseurs, ça va tout seul aussi, hein, Thuram, etc. Ouais. Qui tu mets à gauche alors, Samuel? Faut trouver. Depuis que Lizarazu n'est plus là, il y a un problème à l'équipe de France. Hein. Ouais. Il manque un gaucher, bon. Il n'y a que 15% de gauchers dans la population. Tu verrais qui, Guy, toi, comme latéral gauche? J'en sais rien. Quand Galas y joue, il est un peu emmerdé quand il doit centrer du gauche, mais... Il n'aime pas jouer latéral. Mais, oui, mais d'accord, mais dans le meilleur club du monde, il y joue quand même. Hein. Donc c'est effectivement... Et puis là, il ne demande rien à personne. Mieux terrain, Guy. Ouais. Ça, c'est milieu plus facile. Terrain, il y a Vieira, forcément. Il y a le match contre Barcelone-Chelsea. S'il a son niveau... Et devant, il y en a un de trop, un peu. Il apparaît qu'il y en aurait un peu un de trop. Ah, eh bien, Anelka est dans les possibles attaquants de pointe. Il y a Trezeguet, Henri, Cissé, Anelka... Bon. De tous les temps, si tu avais 5 joueurs à classer dans l'ordre, tu mettrais qui en premier jusqu'au 5e? Roger Milla. Roger Milla. Numéro 1. Non, non, ça c'est pas en compte. Moi aussi, mais par contre, moi, je l'ai vu à 40 ans numéro en Italie. 1, Roger. D'accord. Moi, j'étais jeune et j'ai vu Roger faire des choses... D'accord. Je me suis dit, ce mec, d'accord. Je comprends à 40 pas. Ans c'est un phénomène. C'est un phénomène, le maréchal. Numéro 2. Numéro 2, Maradona. Ça, c'est... Ah. Ouais. Ouais, je suis désolé. Tu vas pas trop jeune pour avoir connu Pelé. Samuel, trop jeune pour avoir... Non, j'ai pas vu Pelé. Pour moi, bon, c'est le nombre, il est... Parlons pas de ceux qui jouent actuellement, parce que ça serait difficile. Mais ceux qui ont arrêté, Pelé. Maradona, Cruyff, Platini, Zidane, le talent Pelé, mais Pelé c'est... Numéro 1. Ah oui, non, Pelé, non. Pelé c'est Dieu, c'est Galilée. Si je me trompe... Platini ou Zidane? Comment? Platini ou Zidane? Pareil. Oh, ah, c'est pas une réponse. Mais oui, pareil, à des époques différentes, Guy. Avec des qualités légèrement différentes. Et toi, Thierry? Platini, je suis sûr. J'aimais pareil. Je connais par cœur. Platini ou Zidane? Ouais. Platini. Ah non, moi plutôt Platini. Ben oui. Mais t'as aimé l'époque aussi. En disant que si l'équipe de France, version Platini, avait eu la chance de disputer une Coupe du Monde en France, ils l'auraient gagné d'une heure. Mais d'une heure, ils auraient gagné. Mais attends, c'était la ligne droite de Longchamp. Non mais Zidane... Moi, je voulais devenir footballeur, c'était mon rêve. J'ai vu Roger Milla... J'ai cru, je me suis dit, je veux ressembler à ce mec. Tu as dit, il n'y a pas longtemps, ils veulent être Eto'o ou d'autres joueurs africains, ce qui symbolise non pas pour être Eto'o, mais pour gagner des millions. Ce ne sont pas seulement les jeunes africains. Il y a tellement de joueurs africains. Même les jeunes européens aujourd'hui. Bien sûr.
quand ils arrivent, ils vont voir la belle bagnole de Samuel ou d'un autre footballeur, ils ne pensent pas. Il y a un travail. Oui, mais est-ce que tu... Il y a le travail, parce que les gens, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que c'est un génie. C'est-à-dire que tu as des milliers de footballeurs de 7 ans, des millions. Et la différence, c'est quoi ? Et il y en a un comme lui. Et les gens pensent en l'écoutant que c'est facile. Et ça serait une erreur. C'est-à-dire qu'être champion olympique en escrime, c'est facile, ils sont 100. Ouais. Être champion du monde en football, c'est impossible. Tellement tu as de... Non mais... Non mais attends, c'est vrai, Thierry, il le sait. Être le meilleur footballeur de sa génération, c'est un génie. Sur la masse, le talent. Je veux bien qu'il parle de travail, mais il y a un talent inné. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire ? Parce qu'il y a quand même un côté scandale. Tous ces jeunes joueurs africains à qui on fait miroiter des trucs dans le foot. Ah, mais ça, c'est autre chose. Les agents. Non, mais c'est important. Parce que ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Voilà, t'as raison. Mais tiens, il y a un film, moi, que j'ai trouvé scandaleux. Là, je sais pas quelle marque de godasse. Puma. Qui me raconte une histoire d'un petit africain. C'est mon histoire. Oui, mais. Ouais. Ouais, mais on n'a pas le droit de sortir. Ton truc est bizarre quand même, tu vois. Non. Parce que toi, t'es contre ça et tu tournes ce truc-là qui cautionne le fait qu'on fait croire à des jeunes Africains qui peuvent débarquer en Europe et gagner des millions. Qu'ils peuvent débarquer, non. Le c'est rêve ce qu'on est là. Dans on met le rêve dans cette publicité. Bah oui, il faut rêver. Si tu veux devenir Samuel Eto'o, il faut rêver. Moi, je rêve toujours. Je rêve de gagner la Champions League aujourd'hui. Non, combien il y en a de, non, moi, j'en ai pas vu, moi, de gamins perdus. On a fait des articles de journaux, on a fait des émissions de télé. Il y en a, coach. Comment on le sait, Guy, il y a des agents qui tournent autour d'eux. Non, il y en a déjà combien aujourd'hui. Mais la vie, l'Afrique, il n'y a pas d'avenir en Afrique. Pourquoi ? Il n'y a pas d'avenir en Afrique. Il n'y a pas d'avenir. Non, mais il y a quasi... Quand vous allez en Afrique, déjà ici, on vous présente que les guerres... Ouais, y a moins mais l'Afrique, non, mais vous étiez au Cameroun. C'est beau le Cameroun. Non, mais je me trompe. Ah, c'est magnifique le Cameroun. Ouais, c'est beau le Cameroun. C'est magnifique. Il y a des gens qui sont préparés là-bas, mais seulement il n'y a pas de boulot. Tu fais tes études, tu fais tout. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Mais moi, je savais que j'avais des moyens pour devenir footballeur. Mais il faut se sacrifier aussi. Je ne bois pas, je ne fume pas. Tu es dans un milieu pauvre, même toi. Quand je. Oui. Ma maman, elle se lève à 3h du matin pour aller acheter le poisson et revendre au marché. Comment ça s'est passé, Samuel, quand tu étais petit ? Comment tu as compris ça ? Comment ça s'est passé ? Non, moi, déjà, on formait un groupe, nous étions 12, et j'ai 8 qui vivent avec moi. Bon, on avait pris une décision, celui qui réussit doit prendre les autres. Tu es 12 dans la famille ? Non. J'ai 12 un groupe, copains. D'accord. Celui qui devait réussir devait prendre les autres. Et à partir, on avait footballeurs, ceux qui travaillaient à l'aéroport, mais on était tellement organisés quand on se retrouvait le soir. Toi qui allais jouer au football, tu avais 500 francs CFA, ça ne représente rien en euros. Celui qui était à l'aéroport, qui accompagnait les étrangers qui arrivaient découvrir un peu le Cameroun, il gagnait un peu plus. Donc on se retrouvait, on partageait tout ça. Ah, c'est drôle, c'est émouvant. J'ai joué, j'ai eu la chance, j'ai connu des messieurs qui m'ont amené à Avignon, à un tournoi, et à notre retour, on repartait au Cameroun, j'étais à Notre-Dame, souvent je passe devant, j'ai disparu ici. On était là, on se baladait, prenait des photos, j'ai disparu. Je me retrouve à Paris, et c'était l'époque où les papiers, on t'attrape, tu repars. Je suis jeune, à mon âge, je ne pouvais plus aller à l'école, je ne pouvais plus jouer au football. Je me suis retrouvé là 7 mois à rien faire. Le plus important pour moi, ce n'est pas l'argent. J'ai réussi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma famille. Je prépare l'après-football, mais c'est d'aider les autres. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui. Donc je dépense, je ne calcule pas. Quand je suis face à un problème, je ne calcule pas. Si le mec est réellement dans le besoin, je sors mon argent. Et c'est ça le plus important. Et ça, c'est ma fierté. Ouais. Parce que moi, souvent, je me retrouve dans une prison et tu vois un jeune qui a 9 ans. Il n'a pas 7000 francs CFA. Ça représente quoi ? 7000 francs CFA. 3-4 euros. Il passe 2 ans. Parce qu'il a volé ça ? Parce qu'il a volé un portable. D'accord. On te met en prison chez nous parce que tu as piqué un portable. Il passe 2 ans. Tu vois dans ses yeux qu'il n'a rien. Qu'il n'a rien. Tu sais. Quand il sort de là... Ah oui, mais il devient un braqueur. Il devient pro. Oui, ça c'est complètement vrai. Et il faut éviter ça. Et éviter ça, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, j'ai ma notoriété qui me permet de rencontrer plusieurs personnes qui veulent bien m'aider, mais ils m'aident parce que c'est moi. Oui.
Donc quand je vais voir un procureur, j'ai dit, il y a tel jeune, tel détenu dans telle prison, papa, je ne peux pas. Il me dit, mais après tu fais quoi? C'est mon problème aujourd'hui, c'est qu'après le jeune, il est dehors, je fais quoi lui? Il te demande... Tu donnes l'argent, tu donnes l'argent, mais il fait rien. Il faut créer, il faut créer. Mais seul, je ne peux pas. La demande auprès de lui, elle doit être sans fin. Tu dois être confronté à beaucoup de demandes. Jusqu'à présent, c'est pas... Même si je mets 1 million d'euros, 1 million d'euros en Afrique, ce sont des millions. Ça fait 600 poussières de millions. Pourquoi tu veux aller t'installer à Majorque et pourquoi tu ne veux pas retourner au Cameroun pour t'occuper de ton pays? Parce que je ne peux plus vivre aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi? J'ai plus de vie. Moi, quand je suis au Cameroun, je dors 3 heures. Je sors avec mes copains, on revient à 5 heures, à 6 heures. Moi, c'est comme ça, il faut que je m'entraîne. Ça, c'est mon entraînement perso. Écoute, je m'entraîne, je suis tranquille, je reviens et j'ai mes trucs à faire. Je passe 10 jours au Cameroun, je reçois les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, ouais. Même dans ma bagnole, je marche parfois avec 300 000 euros liquide. Tu vois? Tu sais ce que vous avez... Tu t'arrêtes à un carrefour, tu vois les gens ont faim. Ah, tu vois dans les yeux, ils ont faim. Si t'as du cœur, tu donnes. Tu peux pas. Non, mais Afrique, parfois je dis, je ne donne pas. Cœur, tu donnes. Ouais, t'es obligé de donner. En liquide. Même nous, quand on va faire les concerts. Tu donnes des billets, tu donnes des billets au moment. Je pense que nous, en fait, on est en mission. Tu vois, ça fait un peu histoire de film, mais à un moment donné, on est en mission. Tu vois, nous, comme je disais, on a la chance de voyager et tout. Ben, dès qu'on peut donner, comme je t'ai dit, nous, si on peut donner notre cachet pour les jeunes, on le fait. On n'en a rien à faire. On va faire des concerts gratuits pour les mecs en prison. C'est sacré, les mamans. Noyau dur, on a fait une tournée de 42 dates avant la sortie de l'album en MJC. Oui, les mamans. Tu vois, gratuit. C'est sacré, hein, donc c'est ça, il faut donner. Je pense qu'à un moment donné, la vie, c'est ça. Tu donnes à ton prochain. C'est pareil. C'est sacré. Si les Africains avaient la mentalité que nous avons, nous, 90% mourraient de faim. Et les 10% les regarderaient mourir. Ouais. Alors ils survivent tous parce qu'ils partagent. Alors ils partagent pas de manière égale. Ceux qui ont le pouvoir, ils prennent un peu plus. Hein. Ouais. Mais quand même, ils partagent. Ils partagent. Et nous, on partage pas. Voilà. Et ce que je tiens à dire, c'est que je trouve que c'est bien ce que tu fais par rapport au rap, parce que malheureusement, on n'a pas la possibilité de passer, d'avoir un gros support médiatique. Et à nombreuses reprises, quand je regarde ton émission, je vois qu'il y a des rappeurs. T'as invité NTM, IAM. J'ai invité 50 Cent. 50 Cent, Booba, ouais. Stomy, Kerry James. Et je trouve que ça, c'est bien. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui nous donnent une tribune pour pouvoir développer notre musique, pour pouvoir montrer aux gens que le rap, c'est pas juste des mecs de banlieue. Pourquoi il y a une chaîne du rap? Comment? Il y a tellement de chaînes thématiques. Il y a des chaînes. Oui, il y a des chaînes, mais les chaînes RCL. Il y a Black Music. Chaînes RCL, mais. C'est des chaînes ghetto, c'est pas des chaînes grand public. On n'a pas souvent l'occasion de montrer que les mecs de rap, c'est pas juste des mecs avec des casquettes en verre et des pitbulls. C'est des mecs qui ont une sensibilité, c'est des mecs qui ont des choses à dire, c'est des mecs qui ont des histoires. C'est la poésie d'aujourd'hui. La poésie et. Oui, bonsoir. Oui, bonjour, c'est Eugène Saccomano. Au quatrième étage, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bon, très bien. Je vais enlever mon manteau. Hein. Manteau. Voilà. Merci. Bien démarré, moi je pouvais pas venir avant. Hey. On va refaire le match. Ah, il est vraiment mort. Ah bah hey, moi je travaille là, mon pote. Non, attends, je suis pas un retraité joyeux comme toi. Attends, Estelle, elle venait dans mon émission dès le début. Elle était formidable. Elle est formidable. Ah, elle est merci. Formidable. Même si son émission n'est pas toujours. Ah, attention. Ah non.
Attends. Ah, t'es quand même pas. C'est laquelle Roland participe de temps en temps. Mais le problème des jeunes, c'est que dès qu'il y a un talk show, ils pensent qu'on l'a copié. Ah, ils les attaquent, les quoi. Ah, d'ailleurs, j'ai un message de Bernard Tapie pour la soirée. Ah bon. On l'a appelé ce matin. Bernard. Qu'est-ce qu'il dit, Bernard? Il m'a dit qu'il était amoureux de Cécile Simionne. Ah oui, il me l'a dit aussi. C'est pas vrai. Il a dit 25 000 fois qu'il avait une seule femme dans sa vie. Non. Mais vous êtes ensemble dans le film, là? Non. Non. Ah bon? Je suis un petit flic. Non. Je suis un dans commissaire Valence. Mais non. Il a Mademoiselle Simionne, dans le commissaire Valence, est excellente. Ouais. Je tiens à le dire. Merci. Il n'a pas l'air très éprouvé par l'affaire Edeli, Bernard. Il a été très éprouvé le premier jour. Oui, mais là, d'ailleurs, dans l'émission, il a. Oui, j'ai vu. Formidable. Il y avait un masque. Formidable. Oui, mais il n'aurait même pas rebondi, ça aurait duré deux jours. Voilà. Ouais, mais Guy, attends, parce Guy. Parce que c'est vide. Non, mais Guy. Donc la seule chose vraie qui reste, on a fait une piqûre dans la fesse d'Edli avant le match. Peut-être de vitamine C. Intramusculaire. Après, il dit, il y a Valenciennes. À Valenciennes, tout le monde le sait, il y a eu un procès, il y a un verdict. Bon, alors on sait qui a fait quoi. Enfin, il faut toujours croire la justice. Heureusement, ouais. La justice met fin à l'affaire. Après, eh bien, après, il n'y a plus rien. Alors hier, il passe. Moi, j'ai veillé. Alors, j'étais fatigué pour essayer de voir. Et il dit, pourquoi vous avez dit ça? Ben, j'ai dit ça pour moi, parce que j'avais besoin de... Ça, on le comprend. J'avais besoin de... Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté de nouveau? Il y avait Deschamps et de Sailly qui étaient sur le bateau. Ils avaient un patron, le patron leur a dit « Vous venez sur le bateau », ils sont venus sur le bateau. Après, est-ce qu'ils étaient compromis dans l'histoire de VA? Non, le procès les a jamais mis dedans. Alors c'est tout, il n'a rien dit. Moi, je pense sincèrement que l'affaire... Écoute, tu n'as que des amis autour de cette table. Un bisou de moi. Il y a Cécile Simeone qui, depuis qu'on lui parle de toi, si tu veux, elle est transfigurée. Elle t'adore, hein. Tu sais que t'as une grosse ouverture. Elle t'adore. Est-ce que tu connais Samuel Eto'o? Bon, je vais te le passer. Ils veulent faire signer à l'OM. À l'OM. La star des stars, il a dit. Il a dit la star des stars. Il a monté un club à Paris. Très bien, Eto'o. Nickel. Je suis malheureux d'être né 10 ans trop tard. Trop tôt. Jamais je t'aurais laissé aller à Barcelone. Je vous ferai plaisir. Je jouerai une saison à Marseille. Allez, on refait. On refait maintenant. Ok, je vous attends. Mais pas à 40 ans. Fais-nous une belle championne. Merci. Je ferai de mon mieux. Je vous ai pas téléphoné parce qu'il n'y avait pas lieu. Et quand vous avez appelé, j'étais en train de dire, s'il avait passé une semaine à Saint-Barth, comme il passe d'habitude, personne n'en aurait parlé. Parce qu'il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien et ils n'en ont rien fait. Voilà, moi j'ai regardé, alors que j'étais malade hier soir, j'ai regardé Fogiel. Quoi? T'as regardé Fogiel? Et toi? Je dis ça chez Thierry Ardisson, là, c'est te dire la cote que... Jamais. Bon. Jamais. Bon, j'ai quand même voulu voir Edli, il n'avait rien à dire. Finalement, je retiens une chose, c'est que ce jour-là, il a pris une piqûre dans les fesses. S'il l'a dit, ça doit être vrai. Une intramusculaire de je ne sais quoi, peut-être d'eau distillée, et puis ça l'a fait courir. Il a dit que les autres en avaient pris, ils ont tous dit qu'ils n'en avaient pas pris, donc il reste rien. Mais il reste rien. Allô Bernard? Ouais, ça va? Tu n'en dis rien sur nos relations? Mais non, bah, tu sais, tout reste top secret entre nous. Il sera malheureux, il est tellement gentil, mon gardien de but. Gros bisous. Thierry Roland à l'appareil. Samuel regrette beaucoup de ne pas avoir joué à l'OM de la grande époque. Dis donc, t'as pas osé venir à ce dîner là? Non, il est en Italie, le pauvre. Tu n'as pas osé venir à ce dîner. Qu'est-ce qu'il fout en Italie? Ah, j'ai pas le droit de le dire. Je crois qu'il fait une cure. Toujours au même endroit. Je crois qu'il fait une cure de jouvence. Oui, bah, c'est d'habitude. Alors, Merano. Il est à Merano. 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 Non, il me demande ce que je fais. Donc, je lui ai expliqué ce que je faisais avec Bernard, le commissaire Valence. Commissaire Valence. Et que je bossais sur l'OL TV, donc la chaîne de l'Olympique Lyonnais, et que je faisais des missions
où on la voit à chaque fois où on va à Lyon. Quand je suis à Lyon, avant le match, après le match. Eugène, toi, tu es pas... Et je fais des émissions où j'emmène les joueurs faire autre chose, où on les retrouve dans d'autres situations pour les connaître un peu mieux. On parle dans pas des du boîtes tout de Toulouse et tout ça. Pas du tout. Franchement, je dirais rien, mais sur les joueurs de football. Mais je les emmène dans des trucs très clean et tout, on peut parler un petit peu d'autre chose, on parle pas du tout de foot. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Ok, c'est Jackie, Calbo et Mohamed. Non, Mohamed, je rigole. C'est pas ça. C'est pas moi. Macaque. C'est pas moi, gars. C'est Mohamed Jack qui fait le macaque. Comporte-toi, mec civilisé. 4 points de 5. Pourtant, mec civilisé. Messieurs, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Ah, Gilles, tu voulais pas ouvrir? Le temps, je faisais le service à table. Sérieux? Ça va? Bonsoir, messieurs, dames. Je vous laisse mon nom. Bonsoir. Jackie. Bonsoir, Jackie. Bonsoir, Jackie. Merci, mec. Alors, je vais vous avouer pourquoi je ne mets pas le bonnet d'Auxerre. Pour deux raisons. La première, c'est que je suis neutre. Et que je commande des concurrents d'Auxerre, donc je suis neutre. Ouais, et la deuxième, c'est que quand j'ai le bonnet d'Auxerre, tout le monde me le réclame. Au bout de 5 minutes, je ne l'ai plus. Donc j'ai perdu un bonnet et j'ai froid. Ils sont un peu plus haut. C'est ça l'histoire. T'as remarqué, Giroud, à l'époque des Kleenex, il y a toujours un mouchoir en tissu. Moi, oui. J'ai un mouchoir en carreau. Comme ça, tu peux le laver et puis t'en resservir. Ah, bien sûr, je ne vais pas le jeter. Voilà. Si je le jette, ça fait trois trucs. Voilà. Ouais. Premièrement, on a abattu une forêt pour les faire. Voilà. Pas deuxièmement, je vais les jeter. Oui. Et troisièmement, ils vont constituer une pollution. Voilà. Donc, c'est trois défauts successifs. Tandis que mon mouchoir, qui a été fait à partir de lin cultivé dans les champs, tu les gardes combien premièrement, de temps a permis à des paysans de vivre, deuxièmement, à des tisserands, et troisièmement, à des lavandières. Ouais. Voilà. Tu les gardes combien de temps, tes mouchoirs? Bah, jusqu'à ce que je les perde ou que je les donne à des dames. Tu les laves tous les combien? Tu les laves tous les combien? Il les lave pas? Ah, ben, je les lave tous. Quand je vais rentrer, à la fin de chaque rhume. C'est un couple de Belges qui ne se connaissent pas, et c'est en plein été, et ils font l'ascension d'une paroi rocheuse dans le massif du Mont Blanc. Alors ils grimpent, et ils arrivent au sommet. Ils ne se connaissent toujours pas, parce qu'ils sont dans la même cordée, mais l'un en dessous de l'autre. Et ils marchent. Comme il est 10 heures du soir, ils ne peuvent pas redescendre vers la vallée, ils marchent vers le refuge. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Oh ben tu es d'où toi ?» Ben il dit « Moi je suis de Bruxelles. »« Oh ben dis-moi je suis de Liège et tout, peut-être pourrions-nous passer la soirée ?»« Mais avec plaisir et tout. » Et ils marchent et ils arrivent vers le directeur du refuge et ils disent « Nous voudrions une chambre double s'il vous plaît. » Ah mais... Il dit « Écoutez, on est en plein été, là il y a beaucoup beaucoup de monde, il ne reste plus que des chambres individuelles. » Mais avec un petit lit, si vous mettez en tête bêche et tout, ça... Bon, eh bien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il dit, moi, d'accord, et tout. Bon, mais il dit, c'est entendu, patron, nous la prenons. Bon, ils prennent la chambre, ils vont dîner. Et puis vers 11h du soir, il dit, bon, ben, on va aller se coucher maintenant. Il dit, c'est entendu, allons-nous coucher. Et dit, alors ils arrivent, ils disent, oui, pof, ils se mettent tête bêche. Puis au bout de 2 minutes, il y en a un qui dit à l'autre, il dit, ça ne va pas du tout, hein. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, j'ai tes pieds dans la gueule, là, ça sent terriblement. Ben, il dit, j'allais te dire la même chose pour une nuit. Mettons-nous ensemble, côte à côte. Ben, il dit, oui, très bien. Ils se mettent côte à côte. Raconte bien. Et au bout de 2 minutes, il y a le même qui dit, ça ne va pas du tout. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il dit, j'ai oublié de vous dire que quand je suis en altitude, comme ça, au-delà de 1800 mètres, avant de m'endormir, il faut toujours que je me masturbe un petit peu. Et il y a le deuxième, il dit oui, il dit ça est bien, il dit mais vous pourriez prendre la vôtre tout de même. Un fiston qui demande à son père, papa, tu connais la différence entre... Peux-tu m'expliquer la différence entre potentiellement et réellement?
Donc le père, il appelle sa femme. Il dit, chérie, viens voir. Si Richard Gere te proposait de coucher avec toi pour 1 million d'euros, accepterais-tu ? Chérie, Richard Gere, 1 million d'euros, bon, vu les problèmes qu'on a en ce moment, je pense que j'accepterai. Bon, son mari lui dit, ok. Il appelle sa fille. Il dit, ma fille chérie, viens voir papa. Ma fille chérie, si Brad Pitt te proposait de coucher avec toi pour 1 million d'euros, accepterais-tu ? Papa, Brad Pitt, 1 million d'euros, je pense que j'accepterai. Et là, le père, il se retourne vers son fils, il lui dit, tu vois, fiston, potentiellement, on a 2 millions d'euros à la maison, mais réellement, on a 2 putains. Viens, enflammer la piste de danse, viens. Il y a du bon son et de l'ambiance, viens. Bouger dans tous les sens, viens. Tout est permis, non, pas d'interdit, viens. Enflammer la piste de danse, viens. Il y a du bon son et de l'ambiance, viens. Bouger dans tous les sens, viens. Tout est permis, viens, pas d'interdit. Ce soir, tout est permis, donc vas-y, on peut y aller. Que des VIP, donc personne n'est recalé. Ça se bouscule à l'entrée, à l'intérieur, ça se déchaîne. Tout le monde clap, clap, clap. C'est le dancehall phénomène. Ça bouge, ça danse. Ah, voilà le son. Ah, elle avait déjà se mettre debout. Je bouge encore. On va faire un peu de place. C'est parti. Viens. Enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du bon son et de l'ambiance. Viens. Bouger dans tous les sens. Viens. Tout est permis. Pas d'interdit. Viens. Enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du bon son et de l'ambiance. Viens. Bouger dans tous les sens. Viens. Tout est permis. Eh. Ce soir tout est permis, donc vas-y on peut y aller. Que des VIP, donc personne n'est recalé. Ça se bouscule à l'entrée, à l'intérieur ça se déchaîne, tout le monde. C'est le dancehall phénomène, ça bouge, ça danse. Dans la boîte ça transpire, vas-y secoue ton boule. Miss fais-nous plaisir, donne-nous la nouvelle danse. Nouveau style, et comme tout est permis, y'a pas d'attitude hostile. Ah, tu as le black déhanché, tu as le black groove. Elle a le black groove, hein. Ah, elle a le groove, hein. Je pense qu'on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.